Well, John, do you want a Ricard? Because today we're gonna make a chocolate cake in a French version and English version. So we got the French Ricard and the English water. Just a tiny one, huh? And don't overdrink it, it's not good. Except the Ricard. little ice cube, and here we go. Whoop, 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 allez, cheers! Cheers! Chichin. Okay, let's do it. So, chocolate cake, gâteau au chocolat. It's very easy. So we need 200 grams of butter. Alors, on a besoin de 200 grams de beurre. Oh, that's gonna be a big mix-up. Je vais mélanger les pinceaux, je pense. Alors, 200 grams. 200 grammes. Avec 200 grammes de chocolat. With 200 grammes of dark chocolate. Chocolat noir. Dans le micro-ondes. In the microwave. That's so funny. And with the Ricard, it starts to warm up. Avec le Ricard, ça commence à chauffer en plus. Ok. Delicious. So, on le fait fondre et we are melting it. Wait! Attends! I don't understand! Tu comprends pas? Ok, so en attendant, for the time being, we're gonna crack 4 eggs. On va casser 4 œufs. Donc on veut juste les jaunes. We just want the yolks. So. Oh, I didn't shake it. Je l'ai pas secoué. Si on le secoue, ça se trie mieux. It split much better if we shake it. Ah, didn't. Je l'ai pas fait encore. Ah, ça c'est le chocolat et le beurre. It's the chocolate and the butter. Ok, 4 jaunes, 4 yolks. Alors, that's been 2 minutes. Ça a été 2 minutes au micro-ondes. On mélange bien. Voilà, c'est tout fondu. It's all melted, yeah? Let's see how hot it is. C'est pas très chaud, c'est nickel. Alors là, on va mettre nos 4 jaunes d'œufs. We're gonna put our 4 yolks inside, yeah? I need the maris, or something like that. Spoon. Ok. Tous les jaunes dedans. Et on mélange bien. All the yolks in, and we mix it well. Voilà, so far, it's easy. Jusqu'à maintenant, c'est facile. Alors maintenant, on va mélanger 5 œufs avec 160 de sucre. We're gonna mix 5 eggs with 160 grams of sugar. Let's use this one, shall we? On va utiliser celui-là. Alors, 5. 5. Yeah. 2, 3, 4, 5. Et là-dedans, 160 de sucre. Inside, 160 sugar. Bientôt là. Nearly there. Ok. Ah non, en fait, ça, on va bien le mélanger. Alors, on va le mélanger comme ça.
Avec la machine. With the machine. Ah. Ouh là là. Ouh là là. Everybody knows that. Tout le monde connaît ouh là là. Ok, c'est parti. Alors on le mélange jusqu'à ce que ça soit bien léger. We're mixing it until it's well fluffy, yeah? Did you hear that? Vous avez entendu? Ok, so c'est super fluffy, yeah? Ok, so now we're gonna pour all the eggs inside the chocolate. On va mettre tous les œufs comme ça dans le chocolat fondu. Mélangez bien, mix it well, avec 90 grammes of flour, with 90 grammes of flour, 90 grammes of farine, and 90 grammes of flour. Ok. Voilà, on met dedans, we're putting inside, I mix it nicely. Donc, ce mix à gâteau peut être un bon chocolat, gâteau au chocolat bien moelleux, ou ça pourrait être aussi un hot chocolate fondant, c'est un fondant au chocolat. Donc on peut mettre dans des ramequins, on le cuit à 180 degrés pendant 10 minutes et ça devient un cake avec un milieu bien coulant. Ou autrement, vous le cuisez comme un gâteau normal et ça fait un bon gâteau moelleux. So what I just said in French, you can use this mix for both things. A very soft chocolate cake, which you cook it as a normal chocolate cake, or you can do some hot chocolate fondant into a little ramekin or little dish. You cook it at 180 degrees for 10 minutes and it's gonna cook all around nicely and inside will remain liquid. We've done a recipe like that before. That's it. Okay, we're just gonna cut a piece of butter like that. On va juste couper un petit bout de beurre comme ça, le fondre au micro-ondes, melted in the microwave, to grease our cake mold, pour chemiser notre moule à gâteau. It's tough, English and French. C'est difficile l'anglais et le français. Ok, it's melted, c'est fondu. All right. Voilà, on va mettre ça dans notre moule. Et je pense qu'on va pouvoir faire deux gâteaux avec cette recette. Non, on va juste en faire un. We're just gonna do one. Est-ce qu'on mettrait avec un peu de beurre? Oh, c'était dans le mauvais côté. It was the wrong size. Let's do it again. Ok. Si on met un peu de farine, ça aidera que ça ne colle pas. If we put a bit of flour,
It will help to don't make the cake stick to your tin. Okay. But this is a very tricky cake mold because it's falling off, you know. All right. Allez, on put notre mix à gâteau. So la taille de ce moule à gâteau fait 20 cm, 8 inches, au four, in the oven, à 170 degrés, juste que ça soit cuit, on plante le couteau et on voit si c'est bien cuit. 170 degrees until it's cooked, with checking with the knife blade. If it goes in, come out clean, it's cooked. That's all. C'est tout. Okay, so the cake, now I think it's cooked. Je pense que le gâteau est cuit. Oh, eh oui, it's cooked. Eh oui, c'est cuit. Okay, so let's take it. On le sort. Oh. It's beautiful. C'est très joli. Alors, on va le démouler. We're gonna unmold it while it's warm. Yeah. Et voilà. Hop. Fantastico. Alors là, maintenant, on va le servir avec un peu de crème anglaise. We're gonna cut a slice and serve it with a custard. It's gonna be delicious. Hop. So. Oh. So light, it's beautiful. Look at that. It's fantastic. Little bit of crème anglaise. Little bit of custard. And now, that's a beautiful cake. Et ça, c'est un très bon gâteau. Should we try it? Let's try it. Mmm. Mmm. C'est délicieux. C'est trop bon. It's fantastic. Mmm. Mmm. Please, like the video, subscribe, aimez la vidéo, inscrivez-vous et à bientôt. See you soon.